Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte survie multijoueur. On va regarder aujourd'hui Ruin Survival qui est sorti hier sur Steam pour 8 €. Donc on va découvrir un petit peu ensemble le jeu. Là, ça fait une petite dizaine de minutes que je règle un petit peu pour avoir une image le mieux possible. Donc bon, je vous montrerai le jeu en beau à la fin. Mais là, bon, pour pas que mon PC saccade, j'ai dû le mettre en faible, donc c'est dommage, mais bon, je vous montrerai en joli à la fin. Et on va donc découvrir un petit peu ce jeu ensemble. Donc on semble être sur du classique, hein, au niveau de la survie, avec du craft. Non, c'est pas comme ça. Craft, c'est là. Crafting. Vous voyez, on peut faire des armes, des ustensiles, etc. Des soins. Bah, les vêtements pour l'instant, ça a pas l'air foufou. Une stone axe. Etc. Etc. Donc là, il va falloir qu'on trouve un petit peu tout ça. Tout à l'heure, j'ai aperçu un mob au loin qui avait l'air d'être un mob entre guillemets humain. Donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Est-ce que c'est des. Est-ce que c'est des monstres, etc. Je ne sais pas. Des bandits peut-être. Donc là, on va vraiment voir un petit peu ce qu'il y en a ensemble. Donc j'ai acheté le jeu tout à l'heure. Donc comme toujours, vous savez, sur Steam, s'il vous plaît pas, vous avez 2 heures pour le rembourser. Donc on va découvrir s'il y a des bâtiments. Apparemment, oui. Parce que là, je suis un chemin. Qu'est-ce qu'on va trouver dans ce bâtiment? Je ne sais pas. Oh, il y a des mobs là, regardez. Ok. Bon, je pense que je vais me faire défoncer, on va bien voir. Très peu de chance qu'il soit pas agressif, mais bon. Des balles, ok. Je trouvais un mec un peu de bol. Ben, il m'a vu. Ok, c'est dommage parce que j'avais one shot là. Avec mon coup de couteau là. Bon, ok, donc il y a des mobs qui sont agressifs. Mais donc ça veut sûrement dire qu'on peut trouver des armes toutes faites. Il y a d'avoir de l'eau là-bas. Ah, il y a des habitations aussi. Ah, c'est pas mal. C'est côté positif parce que j'ai l'horreur de des jeux où en fait faut tout construire soi-même où il n'y a rien. Je préfère quand il y a des trucs à explorer, moi. Est-ce que j'ai une carte? Non. Ok. Dommage. Donc c'est ça qui encore une fois, c'est pas le jeu, c'est mon PC. Parce que pour moi, c'est parfaitement fluide. Un gros campement, hein. Qu'est-ce que c'est? Un avion qui est crashé? Peut-être bien. On va aller voir. Bon, déjà, c'est bien, c'est pas un No Man's Land géant, ça c'est bien. Il y a un corps là. Des pierres, ok. Ok, il n'y avait rien. Le corps, je peux pas le fouiller. La baraque, il n'y a rien. Alors à coup de 1 wood stick, je suis pas rendu. Pas
pas grand chose, il est plus dans notre camp, clairement. Il n'y avait rien. Bon. Un marais. Ah non, il y a encore un camp avec des gens dedans. C'est mieux ce storage box. Ah, des balles, cool, mais il faut des armes maintenant à remettre autour. Sympa ce petit marais. Donc clairement il y a un truc qui s'est crashé, un avion a priori. Bon ça c'est pas très original, c'est habituel avec WarZ etc. Mais bon. Après tout pourquoi pas. Donc c'est multijoueur, donc je peux potentiellement tomber sur d'autres joueurs. J'ai envie d'y aller mais bon c'est chaud. J'ai pas vraiment envie de moi parce que... Oh non il y en a plein. Hein. Parce que bon j'ai pas de mort au milieu de rien. Si je peux fouiller l'avion. Ah ok. Bon, je passe à travers la scrap metal. Oh ouais, attendez. D'accord. Ok. Je vais baisser le son parce que la grenouille elle me saoulait. Il y a derrière des zones de contamination, vous voyez, c'est l'espèce de fumée verte bizarre là. Quelqu'un a déjà pris la ressource. Or, c'est pas moi. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui est passé avant moi. Oh! Buddy! Il est marqué caisse à munitions. Merde, j'ai pas de balles qui vont dedans. Qu'est-ce qu'il y a dedans comme balle? Non. J'aurais pourtant pensé que c'était des balles de... Ouais, mais les balles de 30 rounds, c'est pas des balles de 762 dans une AK normalement? Chargé dans quoi là? Aucune idée. Bon, j'aurais dit que c'était les balles de la caca dedans, mais ce sont deux, mais peut-être pas. La mettre dans mon inventaire directement plutôt que la mettre là. Oui, et du coup je peux pas la recharger. Et il y a toujours pas de balles dedans. Non. Bon, d'accord. M'étonne, mais bon. Pantalon, ok, très bien. Encore un pantalon, je peux pas le. Bon, je vais le prendre, je vais arrêter sur le vol déchiré.
Bon, maintenant j'ai un haut. Dommage, quelqu'un a pris des balles ici. Là aussi. Bien dommage. Moi j'ai mal à des choses, on a été ramassé par quelqu'un. Sûrement un autre joueur qui est passé avant moi. J'aimerais bien voir des balles dans mon arme, c'est dommage quand même. Air reload, bah oui mais j'aurais bien mais. En fait, nos balles diminuent pas, donc c'est-à-dire que là, c'est vraiment chargé en fait. Je sais pas pourquoi tout à l'heure, effectivement. C'est con parce que. Moi, si j'avais des balles, j'attaque tout le monde. C'est dommage, je sais pas combien de temps ça met pour respawn. Ils sont nombreux, hein. Trop nombreux. Des bandits, ok. Ouh. Ah si j'avais des balles. Merde, je mourrai. Il me poursuit toujours. Sauf qu'il peut. Courage, fuyons. Ah, c'est dommage. Oh tiens, c'est pas des balles ça? Non. Si, des balles de 45 netto, c'est pas bon. C'est un truc qui m'échappe hein, sur l'utilisation de ça. Bon, faut jouer une arme avec les autres balles, avec un peu de bol au pire. Ma vie n'a pas de remonter toute seule, est-ce que je peux crafter quelque chose? Dire tirac, j'en ai pas assez. Pourquoi j'en ai qu'un, donc forcément. Non. Est-ce que je peux crafter autrement? Parce que ma vie remonte pas. Un truc quand même.
rien qui fait rien à faire, ça ne marche pas. Bon, tant pis. Je pense que c'est buggé. Toujours pas d'explication rationnelle pourquoi ça marche pas. Bon, c'est un early access, c'est une alpha très alpha, hein, c'est évident. Bon, c'est ce qui est annoncé hein, sur Steam. Ah! Ah, mais ça donne soif aussi, quoi. On a déjà à boire. Est-ce que manger pourrait m'en donner de la vie? Ce serait cool. Non. C'est bien dommage. Enfin, ils sont revenus ces cons-là. Ah, c'est quoi les grosses caisses là-bas, je les avais pas vues. C'est vrai qu'on peut vous fouiller, ok, tant pis. Je vais voir si tout le hasard les balles sont parvenues dans l'autre truc, sinon on va partir explorer plus loin parce que je vais pas me faire tuer. Bon. Donc ça c'était moi. Ça c'était moi aussi. Là, ça c'est pourquoi t'es fouillé. Rien. Ça c'était moi aussi. Ouais, ça s'annonce compliqué, mes amis. Ah. Rien. En tout cas, potentiellement ça respawn tard, je pourrais pas les fouiller. Rien non plus. Hein. Pas sûr que c'est vraiment respawn en fait. Non, y'a rien, ok. On peut les fouiller mais y'a rien dedans. Bon, bah on bouge, allez. Parce que clairement avec mes 3 bâtons de vie, il faut que je trouve des racks pour me soigner. Quand même dans le crafting. Dirt Ghost Bandage, je sais pas comment je l'ai fait. Est-ce qu'il faut que je trouve des ressources? Est-ce qu'il faut que je trouve tout fait? Je ne sais pas. Utilisé pour cooking et des crafts mineurs. Donc ça me débloquerait d'autres crafts d'avoir ça. Ok. Alors, j'ai trouvé d'autres bâtiments à explorer. Qu'est-ce que c'est là-haut? Est-ce que j'ai vu des bâtiments ou est-ce que c'était du feuillage? Non. Je sais pas, juste en face, il n'y a pas un truc en haut de la colline. Bon, c'est plutôt joli, hein, objectivement. Malgré mes réglages bas là, c'est plutôt sympa. Ah. Non, ok.
Alors en crafting, est-ce que je peux crafter quelque chose du coup? Une stone axe. Il faut plein de woodstick. Et des tir-tirailles. Alors les woodstick, on a vu. Je peux en avoir en, juste en. Je sais plus si on l'a vu d'ailleurs. Comme ça. Ah non, quelqu'un a déjà fait. Ah, ça a été loot quand même, il y a d'autres joueurs dans le coin. Ah merde, quelqu'un a déjà tout loot. Quoi là-bas? Jeu des bâtiments là-bas. Il me semble que jeu des bâtiments. Ou une route. Non, il y a des barrières donc derrière des bâtiments. Alors je pense qu'il y a des animaux aussi. Pour l'instant, on n'a pas vu, mais j'ai lu qu'il y en avait. Oui, là-bas, il y a des bâtiments, une sorte de camp ou je ne sais quoi. Ah d'accord, j'ai pas les trucs dans les mains. Allez, là ça marche. Prendre ma vie ne remonte pas, ça y a rien à faire. Non, c'est pas. J'aurais bien trouvé des soins. Parce que plus encore que des balles, parce que. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là? Usine de bois manifestement. Oh, c'est nice ça. Ok, bon bah. Ah oui, c'est beaucoup mieux. Ah oui, on se sent mieux d'un coup. Maintenant, il me faudra des balles pour mon AK ou une arme avec, pour mettre avec mon 5,56 et je serai armé jusqu'aux dents. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. J'ai pas vu qu'il y avait des mobs, fait chier. Bon, déjà niveau vie ça va mieux. On va voir le côté positif. Bon, il y avait qu'un mec mais il avait une arme d'assaut. Donc en même temps si je pouvais le tuer, je crois que je pourrais peut-être le loot. Hein, tiens, une caisse qui vole. Ah. Une caisse vide, dommage. Si je peux le tuer, tiens, pareil, les caisses elles volent. Bon, petit bug. Si je peux le tuer, je trouve que je peux récupérer son arme. C'est chaud. Clairement, c'est chaud. Après, si j'arrive dans le dos, un bon coup de batte.
Energy drink, ok, bien. De l'eau, je prends. Allez, je vais prendre aussi. Tiens, je le bois d'ailleurs. Hop. Tiens, moi ça aussi. Voilà. Il est où l'autre avec son arme à feu? J'en ai vu qu'un. Il a un bon coup de. Dans le dos et paf! Pastèque. Après, si je peux trouver des armes, des balles directement ou une arme avec des balles sera encore mieux. Oui. Il est là-bas, je l'ai vu. Ah, je le tente, hein. Il faut qu'il y en ait qu'un parce que s'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Bon, il tire pas très bien. C'est 9 x 39, je sais pas ce que c'est ça. Bon, en tout cas, ça va pas aller dans la cas. Non, ça va pas dans la AK. Non, normalement c'est du 7,22 dans les AK, hein. Du 7,62 pardon. Donc j'en ai, mais enfin, j'en avais. Faut que je fasse un mec tout seul là, pas trop stuff, tu vois, lui là-bas il est tout seul. J'ai une batte, potentiellement ça peut passer quoi. Le problème c'est qu'il y en a d'autres là, il y en a un autre qui est devant de la maison. Il se parle, ouais. D'accord. Bon, c'est pas grave, on va continuer à fouiller par là. Non, y a rien. Oh, big. Ah, c'est bon, toute ma vie ça. Au moins, on sait qu'ici, il y a des soins. À rien. Bon, je vais me faire un mob, tant pis. Mais risque et péril. Croiser les mecs. Ah, il y a pas mal de balles. Il se barre, il a eu peur de ma. Mais non, je veux pas de pain. Je crois que je suis en train de faire caca. Mais non, arrêtez de morfler toutes vos merdes. Faut que je me fasse un mob, allez, ils sont où? J'en vois un là-bas qui est tout seul. Et l'autre il est passé où ce con? C'est comme si je rentre dans une maison, j'ai pas dû être coincé dedans. Dedans, j'ai pas été par là. Ok, y a rien. Attends, qui est plus armé celui-là. Ah, mais ils suivent de près ces cons-là. J'aurais bien. Oh là, il y en a encore deux là. Ouais, non, mais il y en a de plus en plus en fait, j'ai l'impression. Allez, tant pis, Taïo!
Ok. Bon, voilà, on le saura, c'était pas un bon plan. Non, mais j'ai essayé pour le beau jeu, quoi. C'est dommage, j'avais pas mal de trucs. Ah, mais voilà venu le petit camp militaire qu'on avait vu tout à l'heure au début. Un petit camp, ouais, je pense un petit camp militaire. Bon, on va le tenter au couteau, de toute façon j'ai rien à perdre, j'ai rien. C'est l'avantage. Vous avez vu deux balles, pampan, j'étais full vie. Hein. Surtout la mort en permanence. Si je peux tomber sur la scierie, ça va récupérer mes affaires. Alors, armes à feu sont mortelles quand même. Bon, de dire c'est assez logique, hein, qu'une arme à feu soit mortelle. Ouais. Je vois pas grand-chose aux alentours. Enfin, je suis jamais venu. Je vais voir du haut de la colline si je vois quelque chose. Si c'est pas le cas, bah on s'arrêtera là pour cette vidéo découverte, puisque bon, c'est vraiment le but de faire un premier aperçu rapide. Ah, c'est quoi, c'est un fleuve là-bas? On va aller voir. Pas de bâtiment. Non. Bon, je pense que c'est le bord de cap parce que ça va être très très grand. Je regarde si je vois pas des habitations, quelque chose comme ça en bord de lac. À gauche, je vois rien. À droite, non plus. Dans l'eau, je sais pas, on va aller voir. Ça fait mal aux yeux. Mais sinon, je voyais rien non plus. Non, on va s'arrêter là. Enfin, premier bilan. Bon, alors accepter ce bug avec. Je pense que c'est un bug avec les balles d'AK-47 parce que. Je sais pas comment. J'avais le magazine, j'avais les balles, je les ai mis dedans, elles ont disparu de mon inventaire et j'ai remis dedans, j'avais pas de balles. Donc je pense que c'est un bug. Alors si vous y jouez et que vous avez une explication rationnelle, je suis preneur, mais sinon je pense que c'est un bug. Sinon, à part ça, le jeu est plutôt correct, plutôt joli.
Bon, alors pour vous, ça a peut-être saccadé à cause de mon PC, mais sinon, honnêtement, pour moi, c'était hyper fluide. J'ai trouvé le côté avec les mobs sympas, ça fait quand même du challenge, ça évite ces jeux PvE, en fait, enfin, ces jeux, pardon, PvP purs, où il y a en fait rien, pas de mobs, rien, vous faites vos camps, votre bâtiment, il n'y a rien du tout là, il y a quand même un monde à explorer. On a vu différents petits camps, on a vu la scierie, on a vu l'avion crasher. Il y a du craft, donc pour l'instant, on a juste, entre guillemets, vu en théorie, puisque. J'avais pas assez de matériel, mais enfin, on a vu qu'on pouvait faire des soins, qu'on pouvait faire des armes de base, etc. Quand on fera un feu de camp, ça nous ouvrira probablement d'autres crafts, puisque c'est marqué quand on regarde le feu de camp. Donc, ça semble être plutôt prometteur. Donc, je vous avouerai que moi-même, quand je l'ai acheté pour 8 €, je m'attendais franchement à jouer à Dadaube, comme j'ai eu parfois hein, ces derniers mois. Là, je suis plutôt surpris, plutôt un avis premier avis plutôt positif, franchement. Donc, je vais le garder et je vais en. Je vais tester de mon côté, je vais un peu avancer et je vous referai une vidéo lorsque je maîtriserai mieux le jeu, donc sûrement dans les jours qui viennent. Mais premier avis plutôt positif, je pense que pour 8 €, si vous aimez le genre, vous prenez pas grand risque. Voilà, si la vidéo vous a plu, comme toujours, petit pouce bleu, petit commentaire, et si vous aimez tout ce qui est MMORPG et ou survie, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, je vous dis à très bientôt, j'espère. Salut, salut!